On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, ce sera la deuxième. Là, j'étais en train de faire le grand album. Donc, vous voyez, je suis dessus. Voilà. Et puis, le facteur vient de passer. Donc, j'ai dit, tiens, on va faire une petite pause déjà. Et puis, on va faire une mini vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, c'est une enveloppe que j'ai reçue de Daniel, une gagnante de mon précédent concours, qui m'avait déjà envoyé une enveloppe avec des créations, des cadeaux, pour me remercier pour le concours qu'elle avait gagné. Et elle m'avait dit qu'elle avait oublié de... Oh, d'ailleurs, je vais le prendre à côté de moi. Voilà, qu'elle avait oublié de me mettre des petites choses dans l'enveloppe. Donc, elle m'a refait un envoi aujourd'hui. Mais elle m'a rajouté des choses. Voilà, on va y arriver. Alors, d'abord, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Elle vient d'ouvrir une chaîne. Donc, elle commence tout juste au niveau YouTube, je parle. Parce qu'en scrapbooking, non, ça fait quelques années, je ne sais plus. Qu'elle fait déjà du scrap et en même temps elle fait de la vente à domicile pour les loisirs créatifs principalement le scrap, tout ça. Du coup, en même temps, elle m'a envoyé son catalogue pour montrer un peu ce qu'il faisait. Donc voilà, elle travaille donc pour Keepers Créatif. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc, elle habite à Montélimar. Donc, si c'est dans votre coin, écoutez, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais vous envoyer ses coordonnées avec son accord, mais je pense qu'elle ne sera pas... Elle ne va pas s'y opposer, je pense. Hein, Daniel, si tu passes par là. je vous enverrai ses coordonnées. Pour voir avec elle, donc pour faire des réunions, ou voir avec elle pour acheter du matériel de loisirs créatifs. Voilà, et ça c'est leur catalogue. Voilà, donc ça c'était celui de juillet, mais il y a vraiment des très jolies choses dedans qui vont me faire craquer, hein, bien sûr. Ça, il fallait s'en douter. Et donc il y a des dyes, il y a des tampons, il y a un peu de tout, du matériel, des ciseaux, il y a vraiment de très jolies choses dedans. Donc si vous êtes intéressé, que vous habitez du côté de Montélimar, envoyez-moi un email ou passez par mon Facebook, par ma page ou par directement en MP, et je vous donnerai ses coordonnées. Voilà, donc Montélimar veut dire nougat. L'autre jour, dans la vidéo, je disais c'est bête, oh t'es Montélimar, pas de nougat. Elle m'a écouté, elle m'en a envoyé. En plus, elle est super gentille parce qu'elle sait que j'ai des gros problèmes dentaires en ce moment, puisque je suis en train de faire le ravalement. Je fais la révision des 5000. C'est vraiment les gros travaux chez moi pour les dents. J'en souffre en plus. Donc, elle m'a précisé de se régaler. Ça, il n'y a pas de souci, on va se régaler. Et qu'elle en avait pris des tendres pour éviter la casse. Ça, c'est gentil. Parce que de toute façon, les durs, c'est vrai que j'aurais pas su les manger. Donc voilà, elle m'a envoyé donc plein de stickers. Alors en plus, ça va être super parce qu'ils sont surtout, ils vont être super pour mes cartes de Noël. Donc merci Daniel, ça me plaît beaucoup. Donc, je vous les montre, voilà. Donc je sais pas si je pense que ça doit être ceux qu'elle vend, mais je ne suis pas sûre. Donc là c'est, on voit pas bien, mais c'est marqué Joyeux Noël.
là aussi. Et en plus, j'adore ces stickers, ce genre de stickers. Donc, ça va être vraiment génial. Voilà. Ah, celui-là, je l'adore. Regardez. Avec le pétasse, les cupcakes. Il est super beau, la criée. Alors, ici. Non, je sais pas si vous voyez bien. Mais bon, ça vous. Là, c'est des petits losanges. Là, on voit mieux sur celui-là. Voilà. Là, celui-là, je pense pas que vous allez bien le voir. Non. Voilà, en rouge aussi. En bleu. Ben, ça me fait encore du matériel de plus, hein, rangé, hein. J'adore, j'aime vraiment beaucoup ce style de sticker. Je crois qu'il m'en reste quelques-uns à moi. Et j'aime beaucoup. Et oui, il y en a. Hein. J'ai été gâtée, gâtée, gâtée. Qu'est-ce que j'aime quand le facteur me rapporte des enveloppes. Alors celui-là, je l'adore. Alors j'espère que vous voyez. Ah, je l'adore. En vrai, il est magnifique quand on le voit comme ça. Donc, un doré. Un vert et doré. Là, ceux-là, ils vont aller super bien pour Noël. Un violet et le dernier un rose, un rose violet. Ensuite, elle m'a mis une plaque. Alors, je sais pas, si, je pense qu'elle est autocollante, mais faut que je regarde. Je sais pas. Non, je crois pas. Voilà. Donc ça, j'adore aussi faire des coupes dans du papier comme ça. J'adore ça. Alors là, vous n'allez pas bien voir, mais c'est autocollant. Et il y a des prédécoupes dessus de sapin. Mais bon, là, à la caméra, vous ne verrez pas. Donc, il y a en vert et en blanc. Voilà. Encore un énorme merci, Daniel. J'adore, j'adore, j'adore tout. Alors, elle m'a fait des petites créations en même temps. Donc, là, pour me mettre son petit mot. Voilà, tout mignon. Regardez, avec le petit minou, là. J'adore, il est trop craquant. Trop mignon. Ensuite, elle m'a fait un grand tag avec des autres tags dedans. Donc, il y a celui-ci, tout mignon. Alors, celui-là, il est tout choupinou. Regardez, il est trop choupinou. J'adore. Donc, derrière le papier, comme ça. Et aussi celui-là. Trop chou. Et donc, le grand tag qui sert en même temps de pochette. Voilà. Regardez, même derrière. Voilà. Trop chou. J'adore. Ben écoute, Daniel, encore un grand, 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 grand merci. Je sais qu'on parle souvent. Voilà. On est fidèles toutes les deux à nos chaînes respectives. Donc. Bah écoute, encore un grand, 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 énorme merci. Voilà. Je te fais des gros, gros bisous et je te dis à très bientôt bah, sur ta chaîne, sur ma chaîne, sur Facebook, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je t'embrasse très, très fort et vous, mes abonnés, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye! Bisous, bisous.